Bonjour à tous et bienvenue sur ce sur cette vidéo. Alors aujourd'hui euh, eh je vais vous présenter un, un gestionnaire de stock que j'ai conçu. Euh, donc avec mes expériences passées euh, et mes divers clients que j'ai pu évidemment euh, avec qui j'ai travaillé. Donc j'ai euh, conçu ici un gestionnaire de stock qui vous permet ici de pouvoir... Euh, automatiser donc la gestion de vos commandes et de vos euh, livraisons donc en gérant vos stocks automatiquement donc via des formulaires de saisie et via ici euh, bien les impressions de vos bonnes commandes et de vos euh, bonnes livraisons voilà donc ici hein, un outil assez complet euh, qui va être assez facile d'ailleurs d'adapter par rapport à vos propres besoins à vous euh, puisqu'il va pouvoir être modulé euh, assez facilement donc en changeant quelques paramètres, notamment ici dans dans, dans ce programme. Alors, euh, bah une petite présentation, euh, voilà, assez exhaustive d'ailleurs, hein, donc je vais y passer un peu de temps euh, pour vous montrer justement comment fonctionne cet outil. Alors, euh, j'ai déjà ici donc trois boutons, euh, voilà, qui vous permettent ici euh, d'accéder donc à des formulaires. Ici, j'ai le gestionnaire des commandes des clients. Voilà, dès que je vais cliquer dessus, vous allez voir, ça va ouvrir ici en formulaire qui va vous permettre ici de pouvoir gérer donc ici euh, vos produits. Donc voilà, hein, j'ai une commande que va réaliser un client. Donc il va falloir ici sélectionner le produit. Ensuite, ici lui mettre juste la quantité commandée. Donc par exemple, ici je commande euh, 10 produits euh, 1. Voilà. Donc ici je vais lui demander d'aller ajouter. Voilà. Donc le montant de la commande est de 2508 euros, puisque évidemment il y a un coût dans le produit 1. Hein. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir initialiser et voir un aperçu, euh, tout d'abord ici, de votre bon de commande. Donc, si je clique ici, hein, je vois ici un aperçu euh, de, bond, de mon... Je vais glisser ici le formulaire. Je peux accéder, évidemment, parce que j'ouvre mes formulaires en mode modal pour pouvoir euh, visualiser. Donc, ici, j'ai la possibilité donc, de voir un aperçu de ma commande directement. Euh, si je produis ici, je vais passer une autre commande, par exemple, du produit 5... Je vais en commander euh, pourquoi pas deux, donc ici euh, je vais faire ajouter. Donc là il va se rajouter automatiquement dans votre bonne commande. Donc là il vous dit que maintenant votre commande est de 2817,60 euros, ce qui est le cas avec un taux de TVA de 20%. Voilà, donc je vais à chaque fois ici pouvoir euh, visualiser euh, ici ces, euh, ces commandes, enfin votre commande de vos clients. Ici, donc j'ai prévu le cas, ici j'ai prévu le cas où j'ai mis un maximum d'informations ici il vous dit que vous êtes à la fin de la plage disponible. Votre bande de commande, vous pouvez ici l'adapter, hein, le diminuer. Donc ici, hein, j'ai des petits boutons qui permettent ici d'agrandir ou pas euh, votre bande de commande. Donc là j'ai mis un maxi hein, qui est à peu près d'une quinzaine de lignes. Voilà, mais euh, cela est paramétrable, encore une fois, vous pouvez ici agrandir votre bande de commande euh, ou votre bande de livraison si vous avez énormément de produits. Donc ici j'ai la possibilité évidemment d'initialiser aussi le euh, voilà ici hein, si j'initialise eh bien évidemment ça va vider votre euh, bon de commande voilà et euh, si je valide et eh bien ça va générer ici le bon de commande et en même temps gérer vos vos stocks euh, de produits exemple donc ici je vais euh, eh bien je vais quitter ici mon formulaire Ici, vous avez donc un aperçu. Donc, ici, il est allé évidemment sur la feuille de gestion de commande. Là, j'ai un menu de navigation hein, qui me permet d'aller euh, ici sur le bon de commande, le bon de, de rélevation, le stock de produits. Donc, si je reviens ici dans mon menu de navigation, vous allez voir, je vais automatiquement revenir dans mon sommaire. Euh, et ici, donc, vous avez un aperçu euh, de vos stocks. Donc, ici, si je clique sur ce bouton-là, donc j'ai un aperçu à l'instant T de tous vos stocks disponibles. D'accord, euh, avec ici un coût, un coût, un coût des, des valeurs de vos stocks à temps réel, et avec derrière, donc vous verrez qu'à chaque fois qu'on va commander, il va y avoir ici une, un gestionnaire de, de commandes. Exemple, ici je vais passer une commande pour le produit, par exemple, je vais passer la commande pour le produit 3. Voilà, je sais ici qu'il y en a 5 en quantité. Euh, à 95 euros le prix unitaire, donc ici, si je quitte mon formulaire et que je vais passer ici mon produit, euh, j'ai dit mon produit 5, euh, c'est ça. Alors, je revérifie, euh, on est d'accord, c'était mon produit 3, pardon, mon produit 3 à 95 euros. Voilà, j'en ai plus que 5 à stock. Voilà, donc je vais ici cliquer, hein, je vais lui dire mon produit 3. Voilà, je vais en prendre euh, notamment, euh, bah, allez, par exemple, je vais en prendre 5. Je vais lui dire ici d'aller ajouter, voilà, dans mon bon euh, de, de commande. Donc ici, je vais encore une fois euh, voir un aperçu, euh, pourquoi pas. Ici, donc, si je recalcule encore une fois, je recommande ici un produit 3 et que je vais encore en calculer, par exemple, ici, euh, encore un de plus. Si je fais ajouter, voilà, donc ici, hein, il va pouvoir ici euh, vous rajouter encore une commande supplémentaire. Si je lui dis maintenant d'aller valider, il va vous dire ici est-ce que vous devez vous désirez-vous valider le bon de commande et mettre à jour vos stocks Si je fais oui, donc vos stocks de produits ont été mis à jour, la facture peut être imprimée s'il y a besoin. Donc ici on pourra ici imprimer ou pas le bon de, de commande si je le souhaite. Okay. Donc si je quitte et que je vais maintenant dans mon onglet et valider si mes stocks, ici donc eh bien il vous dit que j'ai un stock maintenant évidemment négatif. Euh, de moins 1 puisque derrière il va vous gérer vos stocks euh, automatiquement donc l'actualisation se fait euh, se fait ici euh, automatique donc ça va être également pour, euh, la même chose pour mes euh, gestionnaires de livraison donc ici si je ferme voilà donc je vais réalimenter mon stock de produit 3 parce que je sais que j'en ai pas voilà je vais ici me faire livrer euh, 10 euh, quantités de mon produit 3 donc si je fais ajouter, donc il va vous rajouter ici votre votre produit 3 en quantité 10, d'accord. Encore une fois ici je peux aller en commander un deuxième. Donc ici je vais prendre mon produit 5, je vais en acheter un de plus. Je vais ajouter, donc ici il vous dit que votre montant de la livraison est là. Encore une fois je peux avoir ici un aperçu aussi de mon bon de livraison. Donc ici je sais que j'ai acheté 10 produits 3, euh, produit 5 j'en ai acheté un. Voilà, euh, donc si je valide, il va vous dire, vous désirez-vous valider le bon de livraison et mettre à jour vos stocks, je fais oui. Voilà, donc ici ça vient d'être validé. Donc vos, vos stocks de produits ont été mis à jour après cette livraison. Donc on va aller voir, donc ici, hein, si je fais euh, quitter et que je vais ici dans mon stock de produits, vous allez voir qu'automatiquement votre produit 3 est repassé à 9, puisque derrière, euh, ben, on était à moins 1, j'en ai commandé 10, et mon produit 5 était à 5, est passé à 6. Donc ici vous avez ici une actualisation de vos stocks qui va se faire automatiquement. Donc ici hein, dès que je vais commander euh, chez un fournisseur ou que votre commande client vous retire du matériel. Donc ici vous allez pouvoir gérer aussi bien vos livraisons de fournisseurs que vos commandes clients euh, directement. Voilà. Donc ici encore une fois avec un aperçu à temps réel de vos coûts, de vos valeurs en stock. Euh, pour ici, euh, bien voilà, des produits qui sont ici à jour. Alors, donc ici, un outil de navigation hein, qui vous permet à chaque fois de naviguer euh, directement sur euh, sur vos boîtes de livraison. J'ai mis ici une possibilité, hein, pourquoi pas, d'aller donc voir un aperçu de votre boîte de livraison, mais aussi de pouvoir ici donc, si je clique ici, j'ai un aperçu. Oui. Euh, avant l'impression de la de votre bande de livraison. Voilà donc après on pourrait évidemment rajouter euh, vos adresses euh, de vos clients ou pas ou vos, vos fournisseurs et ici donc j'ai la possibilité ici d'aller sauvegarder aussi donc en pdf chacun de vos bons de livraison donc ici hein, si je clique ici et que je veux sauvegarder ce bon de livraison de 1294 donc, ici, hein, je vais cliquer. Il va vous demander ici de taper le nom de votre fournisseur. Ici, on peut mettre euh, par exemple, euh, ben, je sais pas moi, euh, allez, on va mettre comme ça, fournisseur, euh, fournisseur euh, B. Allez, on va lui donner un nom. Je fais OK. Voilà. Donc, ici, il vous a sauvegardé ce bon de livraison euh, directement ici sur votre disque dur. Donc, on va aller voir ici mon disque dur. Donc, je vais aller revenir sur mon bureau. Donc, ici, j'ai créé un dossier. Euh, qui va se mettre ici sur mon disque dur et il va ici vous, euh, vous créer un bon de livraison correspondant ici à votre euh, donc ici moi je l'ai mis dans un dossier qui s'appelle commande euh, alors on va aller vérifier ça Alors donc ici on va continuer sur euh, ben, la livraison. Donc on va aller voir ici le stock, la, fin, le, le bon de livraison que j'ai sauvegardé en PDF. Euh, donc ici hein, euh, je fais un petit Windows D. Donc pour venir, ici j'avais mis évidemment le raccourci des commandes, mais je n'avais pas mis le raccourci des livraisons. Alors je on va aller le chercher. Hein. Euh, on va lui mettre ici euh, mes documents. J'avais mis ça dans Excel. Voilà, ici on a ici un, un dossier qui s'appelle commandes où j'aurais mis ici mes commandes et ici un autre qui s'appelle livraison voilà donc on va mettre les deux hein, mes livraisons et mes commandes euh, directement euh, non, non on, va voir, on va plutôt faire un raccourci voilà euh, hop. allez donc ici on va lui déplacer ça on va lui mettre ici un petit envoyer hop euh, vers le bureau créer un raccourci et qu'on va mettre évidemment sur le bureau voilà, donc ici hein, ben on va l'ouvrir. Donc euh, tout à l'heure on en avait créé un euh, euh, qui euh, s'appelait livraison fournisseur B. Hein. Donc si je l'ouvre, donc ici vous allez voir hein, bien ce qu'on avait créé tout à l'heure le bon de livraison, donc avec ici la liste de mes produits que j'ai commandé chez mon fournisseur, avec ici une copie un PDF. Donc ici je suis bien en format PDF. Hein de votre bande de livraison vous allez voir que bien évidemment ça va également faire la même chose pour mes bandes de commandes donc si je reviens sur mon classeur hein, donc ici on va aller ouvrir un nouveau, euh, une nouvelle commande alors on peut aller voir par exemple un aperçu de stock hein, on va aller voir par exemple ici tiens le produit 5 voilà euh, j'en ai euh, j'en ai 5 euh, allez on va aller prendre produit 5 allez on va en prendre ici euh, allez on va essayer d'en commander 6 pour voir ici euh, ce que ça va faire donc ici je fais ajouter il vous dit ici que je ne peux pas commander euh, plus de 5 euh, quantités puisque j'en ai plus que 5 à stock. Donc là, il y a une alerte hein, qui va vous afficher, vous informant que je ne peux pas ici commander plus de 5 articles puisque n'en ai, ai que 5 à stock. Donc ici, hein, je vais devoir malheureusement changer ici mes quantités. Donc là, je fais ajouter. Voilà, ici, la commande passe. Donc vous verrez que derrière, il y a une gestion, une gestion des stocks. Hein. Ici, je ne pourrai pas commander. Tant que plus de produits que je n'ai en stock. Donc il y aura des alertes qui vont, qui vont s'afficher automatiquement. Ensuite, donc, ben, on va prendre par exemple un produit neuf, on va en commander un. Voilà, on va faire ajouter. Donc encore une fois, ici c'est dynamique. Hein, dans votre formulaire, vous avez ici la possibilité d'avoir ici le montant au fur et à mesure que je rajoute des données qui vont s'afficher. Voilà, encore une fois, je peux ben, initialiser pour vider mon formulaire de, de commande. Mais ici, je peux faire encore un aperçu. Voilà, donc ici j'ai mon aperçu de mon bon de commande, ici. Euh, voilà, donc ici, hein, euh, il fait bien 1368, hein, on est d'accord, ça correspond bien ici à mon formulaire. Donc j'ai bien commandé 5 euh, produits, 5 euh, de, voilà, et un produit neuf, voilà, ici avec chacun leur prix unitaire qui se trouve dans une table. Voilà, si je quitte le formulaire ici, donc je peux encore une fois avoir ici un aperçu, avant l'impression, si j'imprimais ici mon document, ou alors ici de sauvegarder ici mon, euh, mon bon de commande donc ici hein, il vous demande ici de taper le nom du client ce coup ci et pas du fournisseur euh, ici on peut mettre par exemple client euh, je sais pas moi client euh, 3 vous va lui donner un nom voilà c'est mon client 3 qui va euh, me commander ici euh, tous ces produits là donc si je fais ok voilà donc euh, ça y est donc ici la sauvegarde a été faite donc je vais aller revenir ici dans mon dossier de mes commandes et là normalement il doit y avoir une commande qui s'appelle client 3 puisque si ici mon, mon client 3 que j'ai donné un nom ici je clique dessus donc je vais retrouver en hein, sous format pdf encore une fois mon mode de commande que je peux donc évidemment garder en archive pour pouvoir ici m'en resservir me réexpédier donc avec ici les noms de commandes correspondants voilà donc ici avec avec le détail de ma commande et mon montant global en lui donnant ici le nom de votre commande donc j'aurais pu appeler cmd hein, euh, avec ici le nom pour pouvoir ici récupérer le nom de vos clients euh, ici listé donc dans un dossier hein, que j'ai mis dans D, deux points voilà donc ça il faudra évidemment le personnaliser dans le code pour essayer ici de de changer tout ça alors donc ici maintenant bien vu que j'ai commandé si je reviens dans mon formulaire voilà, euh, donc je vais ici revenir par exemple ici dans ce bon, donc ici je vais évidemment, si je rajoute ici dans mon bon de commande un produit 2, et que je rajoute ici une quantité 1, voilà, que je fais ajouter, donc ici hein, on a d'accord, hein, on, on va rajouter ici une autre commande, donc il va falloir évidemment réinitialiser mon bon de commande pour repartir ici à 0, euh, sur une commande totalement vierge. Voilà, donc ici hein, ça vous permet ici de pouvoir avoir ici encore une fois un état des stocks, donc là, vu que j'avais commandé des produits 5 donc, euh, et produits 3, donc j'en ai évidemment beaucoup moins euh, que tout à l'heure. Donc euh, le stock va s'auto-actualiser tout seul. Donc ici hein, j'étais à 60 et quelques, il est plus qu'à 59 000, puisque j'ai retiré ici du matériel. Voilà ici hein, comment fonctionne cet outil euh, de gestion des commandes, de gestion euh, des livraisons de vos clients et de vos fournisseurs, en utilisant ici un environnement assez graphique, puisque derrière, donc, je vais avoir ici un aperçu de ici de mes stocks à temps réel si je le souhaite. Voilà. Ou alors je peux aller directement aller consulter la feuille où se trouve tous mes stocks. Pourquoi pas ici rajouter un autre produit et ça va automatiquement se rajouter dans votre liste si nécessaire. Voilà ici mes stocks qui vont s'auto-actualiser tout seul euh, avec ici des alertes euh, et la possibilité, je vous dis ici de pouvoir avoir ici à chaque fois un aperçu, donc ici je peux encore réinitialiser euh, toutes mes euh, bonnes de livraison. Voilà, et repartir ici sur l'achat euh, de produits, euh, notamment ici pour pouvoir réalimenter mon stock si je le souhaite. Voilà, ici donc euh, ce, petit, euh, ce petit gestionnaire, donc qui est assez simple à utiliser, assez pratique, puisque derrière il va vous permettre de pouvoir voir à chaque fois un aperçu de, de vos bonnes de livraison et de vos commandes. Euh, voilà, en mode aperçu ou en mode euh, sauvegarde fichier PDF. Euh, voilà, donc ici, hein, encore une fois, en augmentant ou en diminuant, ici, votre facture en nombre de lignes. Donc, vous pouvez ici euh, euh, dire redimensionner euh, soit vos bonnes de commande ou soit vos bonnes de livraison aussi. Hein, on peut, donc ici, je suis sur la plage maxi. Euh, voilà, mais je peux ici rediminuer ou réaugmenter autant de fois rajouter des lignes dans mon bond de livraison ou dans mes bons de commande. Voilà. Et ensuite votre stock de produits, on l'a vu tout à l'heure. Voilà ici comment euh, ben, comment fonctionne. Donc on va aller voir un petit peu le code. Donc pour ça, ben, je vais y afficher ici mes onglets. Voilà. Et on va un peu voir comment, euh, comment fonctionne ce petit programme. Alors, euh, donc ici, eh j'ai pas beaucoup de feuilles. Hein. J'ai que quatre euh, feuilles. Un qui va gérer mes commandes ma table des commandes, une qui va gérer ma table des produits, une autre qui va gérer ici ma table des livraisons, et ensuite ici euh, mon feuille 4 qui va me permettre ici de pouvoir gérer le gestionnaire. Donc c'est mon sommaire ici hein, qui, va, qui va gérer ici le, le va-et-vient de mon, de mon onglet d'accueil. Et ensuite donc ben, j'ai trois formulaires. Donc un formulaire qui va vous permettre de gérer vos bonnes de commandes. Donc ici si je l'ouvre, ben, on va retrouver le formulaire que je viens de vous présenter. Voilà un formulaire ici qui gère les livraisons des fournisseurs donc avec ici et eh bien je sélectionne euh, voilà euh, tous les boutons de commande qui vont être y associés et ensuite ici le formulaire de gestion des stocks qui va aller afficher le contenu de vos stocks actuels mis à jour donc ici évidemment avec des listes dynamiques qui vont s'auto-actualiser toutes seules au fur et à mesure et ensuite donc et eh bien ici hein, j'ai euh, le programme donc ici qui va vous permettre ici de pouvoir ouvrir vos formulaires donc ici un hein, une procédure qui va ouvrir le formulaire de gestion de commande, un autre le gestionnaire de livraison, un autre la gestion des stocks. Ensuite, deux petites procédures qui vont permettre ici de pouvoir imprimer en mode print preview. Si je veux l'imprimer directement ici, il suffira de mettre print, d'accord Voilà automatiquement. Et pareil pour le bon de commande, donc ici deux procédures, un qui va imprimer le bon de livraison et un autre le bon de commande. Et ensuite ici, donc procédure qui va permettre ici d'enregistrer donc euh, au format PDF tout d'abord, le bon de commande, donc vous allez voir que les mêmes procédures sont presque les mêmes. donc, ici, eh bien, il va vous demander ici, euh, j'ai eu besoin de déclarer deux variables, une qui va afficher le nom du fichier que l'on va donner. donc, ici, le nom du fichier, euh, c'est hein, le, le nom du client que je vais demander ici grâce à une input box de lui taper le nom de client. et c'est le nom qui va me servir euh, de nom de fichier ensuite, pdf. Ensuite le chemin, donc ici moi je l'ai mis dans un dossier qui s'appelle D deux points mes commandes excel commandes, mes documents pardon, excel commandes, ben ici hein, ça ce sera le chemin que vous devez aller modifier vous si vous voulez le mettre ailleurs. Voilà donc ça peut être en répertoire en réseau, ça peut être un autre dossier. Donc c'est ici que vous allez devoir modifier le code, le chemin d'accès. Donc et ensuite eh bien on lui demande ici qu'il mette au moins un intitulé. Et ensuite, ben, s'il n'y a pas d'intitulé, on lui demande ici qu'il n'y a pas fait de saisie. Donc dans ce cas-là, on va sortir de la procédure. Et ensuite, donc, eh bien, on va lui demander ici d'aller récupérer le contenu de mon bon de commande. Et on va lui demander ici d'aller le sauvegarder au format PDF. En lui mettant le mot commande devant, le nom du fichier, donc c'est le nom du client que vous avez tapé plus haut. Suivi de l'extension .pdf. Et on va lui, de lui demander d'aller le mettre directement dans le chemin de dossier, donc c'est-à-dire ici sur ce dossier-là. Voilà. Et même chose ici pour le bon de livraison. Donc c'est exactement le même principe. On va lui déclarer une variable, nom, fichier, chemin dossier. Là, on va lui changer. Hein. Là, il y a, tout à l'heure, je lui ai mis ici sur un sous-dossier qui s'appelait commande. Là, je vais le mettre sur un sous-dossier qui s'appelle livraison. Comme ça, on dissocie mes bons de commande de mes livraisons dans deux dossiers respectifs. Euh, voilà, ici, eh bien, on lui met la même chose. On va lui demander d'aller taper le nom du fournisseur chez qui j'ai passé la commande. Euh, voilà, de livraison. Et ensuite, eh bien, encore une fois, le même procédé. Hein. Euh, on lui met ici, euh, voilà, euh, on va lui prendre ici tout le contenu de mon, euh, de ma base, de mon bon de livraison. Et ensuite, je l'exporte, encore une fois, en mettant le mot livraison, le nom du fichier qui correspond ici à votre nom de fournisseur et encore une fois un PDF. Voilà ici les deux procédures correspondantes. Ensuite, euh, eh bien, on a ici dans la gestion des commandes, on a ici la gestion des erreurs. Ici, on a la procédure qui permet ici de pouvoir euh, gérer donc plusieurs choses. D'une panne ici, de la procédure permettant de contrôler, de valider que vos commandes et de gérer les stocks. Donc ici, on va pouvoir ici euh, bien euh, mettre à jour ici euh, les, euh, les déclarations des variables que j'ai besoin ici d'aller pour contrôler mon stock. Et ensuite, donc ici la procédure en dessous qui permet de contrôler les stocks. Hein, en, en, si on est en négatif, eh bien il va vous mettre des alertes automatiquement en vous, en vous en vous disant que vos stocks sont en dessous, que vous pouvez pas commander plus, que vous, vous n'avez un stock. Voilà ici la hein, même chose pour les bonnes de commandes. Même chose ici pour les euh, euh, pour la suite. Voilà. Et on le fait ici euh, également. Donc procédure permettant l'aperçu. Donc à vrai impression, c'est ce qu'on a. C'est le bouton qu'on a ici sur notre feuille des commandes. Et ensuite on a ici hein, les deux procédures avec mon spin button. Hein. Les spin button je vous rappelle, c'est ici. Euh, donc si je vais dans le gestionnaire des bons de commandes, les spin button ce sont ici la petite flèche qui monte et qui descend. Donc un qui va vous augmenter les lignes et un autre qui les diminue. Voilà. Et cette procédure-là, eh bien vous l'avez euh, ici. Donc, ici hein, il y a le spin up et on verra en bas qu'il y a le spin down. Donc, ici ce sont les événements spin up et spin down qui permettent ici euh, ben, d'augmenter. Donc, ici j'ai créé une boucle qui permet ici d'aller lui dire, d'aller à chaque fois euh, lui, re, lui masquer une ligne. Donc, ici je prends la propriété hidden et je la cache. Donc, ça, cette procédure là a déjà fait l'objet d'un tuto, d'une vidéo que j'avais déjà montré dans, sur ma chaîne. Donc, vous pouvez reproduire vous-même. Pour aller ici varier. Donc, ici j'ai mis un maxi de 22 lignes. Voilà ma facture a fait 22 lignes, mais vous pouvez ici rajouter ça et lui augmenter mon nombre de lignes de facture ou de commandes. Donc, ici j'ai créé ici pour les deux. Donc, vous allez voir que dans votre livraison il y a exactement la même chose. On va gérer ici les stocks de mes bons de livraison. Donc, ici hein, c'est les bons de livraison et pas commande voilà que je vais encore une fois ici euh, récupérer dans cette euh, procédure. Et ensuite, la même chose ici, hein, qui permet ici encore une fois euh, de créer encore deux spin buttons avec le spin up et spin down qui permettent d'augmenter ou pas mes lignes concernant ici mes bons de livraison. Voilà. Et ensuite, évidemment, ben, vous allez avoir du code dans chacun de vos formulaires. Puisque derrière, hein, je vous rappelle, ben, la gestion des stocks, hein, euh, voilà, ici, ici, il vous fait juste afficher. Le, tous vos stocks que j'ai, donc il va récupérer le contenu se trouvant ici dans ma feuille des stocks. Euh, voilà, donc euh, et automatiquement ici bah, il vous affiche ça dans une liste box. Hein. Ici c'est une list box, euh, voilà qui permet ici d'aller récupérer tout le contenu de mes stocks, voilà et d'afficher ici le montant global de mon stock. Donc ça, je multiplie ça et j'aurai ici le total directement. Voilà, ici pour les bandes de livraison, euh, pareil, hein, donc ici vous allez pouvoir récupérer euh, toutes les commandes, donc euh, les programmes et les codes d'accès ici, hein, quand je fais un double clic, hein, vous avez droit ici à toutes les commandes disponibles, voilà, donc euh, à aucun moment mon code ne sera protégé, donc vous pouvez évidemment, euh, ils sont libres de droit, vous pouvez les réutiliser, les réadapter euh, par rapport à votre besoin à vous, donc ici, hein, euh, le programme pourra être adapté, remodifié, euh, euh, si vous le souhaitez, euh, voilà donc ici même chose pour le bon de commande. Hein. Si je vais ici dans euh, ben, le bouton valider par exemple, c'est celui où il y a le plus de code. Ici vous allez retrouver toutes vos procédures avec des commentaires, hein. donc beaucoup de commentaires en vert hein, qui vous dit euh, tout ce que fait c'est euh, les procédures correspondantes. Voilà ici hein, euh, eh bien c'est euh, ce type de programme. Voilà hein, donc euh, qui va être ici dans un dossier. alors... Je referme, voilà, je reviens dans mon menu principal. Voilà, donc ici, hein, euh, on va masquer ici tout mon ruban, comme ça j'ai un vrai utilitaire directement. Voilà ici hein, cet outil qui permettra de pouvoir ici gérer ben, beaucoup, beaucoup plus efficacement vos stocks, aussi bien euh, concernant vos livraisons chez vos fournisseurs, vos bonnes livraisons, que vos commandes à vous, et en gérant donc ici un stock automatiquement, donc euh, pour savoir votre situation en temps réel et en mettant des contrôles de gestion. Voilà, donc ici hein, ce petit euh, gestionnaire de stock. Euh, donc voilà, si vous intéresse, et eh bien ce, ce gestionnaire pourra être à disposition. Donc euh, il sera, je vais vous créer un lien de téléchargement euh, dans la description de la vidéo. Euh, qui fera donc euh, office de cette présentation et dans la description de cette vidéo vous aurez un lien qui permettra de pouvoir télécharger ce classeur donc euh, encore une fois sans aucun mot de passe ni euh, verrou euh, donc vous pourrez évidemment adapter ici vous pourrez changer votre logo vous pourrez changer ici évidemment votre carte vous pourrez y mettre ce que vous voulez euh, voilà donc euh, et le reste donc va être euh, dynamique et automatisé voilà. Euh, ben voilà. Donc j'ai fait le tour de cette présentation. Donc j'espère que cet outil vous plaira. Donc si vous êtes intéressé, eh bien euh, vous pouvez évidemment le récupérer euh, via donc le lien de téléchargement. Voilà. Merci à vous. Et puis à très vite sur de prochains tutos.